Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, réservé aux membres premium. Vous allez voir un tour vraiment sympa impliquant le spectateur. Vraiment, la tournure du tour est plutôt cool. Je vous laisse avec la démonstration et comme d'habitude, ceux qui voudront apprendre le tour, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok et également l'école de magie tutomagie.com, la seule école de magie en ligne où vous allez pouvoir retrouver les techniques de base en magie des cartes, en magie des pièces et le tout accompagné de nombreux tours expliqués. Vraiment, il y a beaucoup de contenu accessible directement sur l'école et aujourd'hui spécialement pour la Black Friday, vous avez une remise sur le pass pour l'école de magie ou pour le pass tuto magie Gold Pass pour avoir accès à l'intégralité du site, donc tout simplement l'école de magie, la plateforme de VOD, donc vraiment c'est énormément de contenu. Donc ceux qui n'ont pas encore souscrit, ben, profitez d'avoir cette réduction qui se termine aujourd'hui à minuit. Merci à tous ceux qui ont rejoint l'école et tous ceux qui me soutiennent via Tuto Magie Premium directement sur YouTube, ça fait grave plaisir. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec la démonstration, allez c'est parti. C'est parti pour la démonstration de ce tour qui va nécessiter un jeu de cartes de 52 cartes différentes. Alors bien entendu, je vais jouer le rôle du spectateur et du magicien, mais faites-moi confiance, je suis vraiment honnête dans mes démos. Donc pour le coup, là, le spectateur donc, va tirer une carte. Alors quelque part dans le milieu du jeu, vraiment, il n'y a pas de forçage à ce niveau-là. Vous tendez le jeu de cartes et dans le milieu, le spectateur va choisir une carte librement. Alors imaginons, on va dire celle-ci. Alors la carte, ici, je ne vais pas la regarder, je vais vous la montrer, mais moi je ne la regarde pas, hein, faites-moi confiance. Donc ici, vous mémorisez la carte, très bien. La carte, juste ici, on la laisse sur le dessus et on perd le tout en coupant une fois et deux fois dans le paquet et encore une fois et deux fois sur la table, comme ceci, très bien. Donc très important, la carte n'est pas sur le dessus et elle n'est pas en dessous puisqu'elle est quelque part dans le milieu du paquet. Seul vous pouvez connaître cette carte, moi je ne peux pas la connaître. Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que le spectateur intervient dans le tour, c'est le spectateur qui va prendre le jeu de cartes et qui va me faire choisir une carte à moi magicien. Et en fait, cette carte va me donner une indication pour retrouver votre carte. Vous croyez pas? Alors là, j'ai pas de spectateur, donc imaginons que le spectateur me fasse un ruban entre les mains ou un ruban sur la table, tout simplement. Moi, je prends une carte, peu importe, hein, ici, imaginons celle-ci. Je referme l'ensemble. Regardez bien, c'est ça qui est vraiment très fort. Et en fait, cette carte va me donner l'indication pour retrouver votre carte. Alors, si c'est une carte à points, imaginons un 7, on comptera 7 cartes et on verra là, sur quelle carte on tombe. Si c'est une carte de figure, par exemple un roi, on épellera le roi, R-O-I, et donc 3 cartes, et on verra sur quelle carte on tombe. Donc c'est vraiment le hasard, c'est le spectateur qui me fait choisir la carte. Vraiment, à ce niveau-là, le jeu est normal, là, il n'est pas du tout marqué, etc. Pour le coup, ici, je tombe sur un 4. On va juste vérifier, on va prendre le jeu ici, hein, qui est normalement dans la main du spectateur. On va compter 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et ça serait fort que la carte suivante soit exactement la carte du spectateur que vous avez choisi au début. Bien entendu, tout peut être laissé à l'examen. Le jeu est entièrement normal, il n'y a absolument rien à voir. On tombe à chaque fois sur la carte du spectateur. Vraiment, c'est exceptionnel, c'est très facile à faire. Moi, j'adore en tout cas.